Ce nouveau-né a tout juste 3 jours. Il n'arrive pas à téter. Son réflexe de succion n'est pas assez développé. Sous l'angle de la nature, un bébé qui n'est pas capable de prendre le sein est un bébé qui est en danger. Des gestes tout en douceur pour stimuler le potentiel d'auto-guérison de l'organisme. C'est le principe de l'ostéopathie, une approche thérapeutique plébiscitée par de plus en plus de patients. Cette discipline en plein essor semble même séduire davantage que la médecine conventionnelle et suscite de grands espoirs. Quand on souffre de migraines, on aimerait simplement trouver une solution pour que la douleur cesse. Pourtant, les ostéopathes souffrent d'un défaut de reconnaissance dans de nombreux pays. Les effets de l'ostéopathie relèvent du bien-être et non de la médecine. Pour combattre les préjugés, les praticiens élaborent de nouveaux procédés afin de prouver l'efficacité de leur discipline. Cette étude nous permet d'objectiver cette démarche et d'analyser comment le traitement influe sur la mobilité du corps. L'ostéopathe cherche toujours à cerner l'élément déclencheur de la maladie. Il y a toujours une cause à tout et on essaie de remonter le temps. On essaie de remonter, de voir quelle est la cause. Les symptômes sont notre porte d'entrée pour examiner le corps tout entier. Quels sont les apports concrets de cette médecine par les mains? Dans quel cas est-elle bénéfique? Et quelles sont ses limites? Un tiers des nouveau-nés qui voient le jour à l'hôpital privé d'Antony, dans les Hauts-de-Seine, passe entre les mains expertes de Jean-Marie Briand, ostéopathe. Vous avez des grosses contractions ? Cette mère et son enfant vont bientôt quitter l'établissement, mais le bébé ne parvient pas à téter au sein. Non, c'est des glaires qui remontent. Parce que on ne les aspire plus, les bébés, ici. On fait plus d'aspiration. Et donc, de temps en temps, il y a des glaires qui remontent des poumons et qui font ça. Les glaires ne sont qu'un aspect du problème. Tout le corps du nouveau-né semble contracté. L'ostéopathie permet de soulager ces tensions grâce à de légères pressions exercées au niveau des muscles, mais aussi en encourageant la mobilité des organes internes. Des manipulations crâniennes très subtiles peuvent en outre agir sur le système nerveux central. Vous voulez bien lui donner votre petit doigt à téter? Tournez, mettez-le, voilà, comme ça. Voilà. Voilà, super. Un premier pas dans la bonne direction. Seul le temps dira si le problème est vraiment résolu. Notre but à nous, c'est d'aider la nature, donc c'est d'essayer de l'aider dans ce qu'il a du mal à faire. Un peu comme un professeur de gym aiderait un bébé, un enfant plus grand à taper dans un ballon. C'est-à-dire lui apprendre les gestes qu'il a du mal à faire. Quelques heures plus tard, le bébé est au sein. Ses parents n'avaient jusqu'alors jamais fait appel à un ostéopathe. C'est vraiment quelque chose qui, sur les quelques minutes de manipulation que le praticien a fait à notre bébé, ça l'a soulagé, ses prises de sein étaient beaucoup plus correctes. Donc c'est que du positif par rapport à cette expérience. L'ostéopathie est pratiquée en France depuis la fin des années 1950. Comme en Allemagne, les honoraires sont libres et ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Je pense que l'ostéopathie devrait être accessible à absolument tous les patients. C'est-à-dire que, effectivement, la population un peu bobo qui souvent vient nous voir, ben souvent c'est des bébés qui n'ont pas grand-chose, qui n'ont pas réellement besoin de nous. Et les bébés qui ont vraiment besoin de nous, souvent on ne les voit pas. Comme les soins ne sont pas remboursés, effectivement ça sélectionne les patients simplement par la question de l'argent.
Pourtant, les patients sont de plus en plus nombreux à plébisciter la thérapie alternative. En Allemagne, où elle n'est implantée que depuis les années 1980, 6 millions d'adeptes lui font confiance chaque année. Nombreux sont les médecins, les praticiens de santé et surtout les kinésithérapeutes qui se forment à l'ostéopathie. Myriam Keitel va passer prochainement son examen final. J'avais atteint les limites de la kinésithérapie. Régulièrement, je me sentais impuissante face à certains patients, alors qu'à l'évidence, il y avait moyen de faire autre chose. Je veux traiter le corps dans sa globalité, comprendre d'où viennent les douleurs et pourquoi elles refusent de disparaître. L'Académie Stihl à Mülheim, dans la Ruhr, propose une formation de 6 ans à temps partiel et coûte 20 000 euros à la charge des participants. Les apprenants acquièrent ici une connaissance approfondie du corps humain et des principes fondamentaux des thérapeutiques manuelles. Le mouvement caractérise la vie. Lorsque les différentes parties de notre corps entrent en interaction, elles forment une chaîne cinétique. Parfois, nous effectuons des mouvements conscients, comme tendre le bras, courir ou danser. Mais ils peuvent aussi être inconscients. Un muscle qui se contracte sous l'effet d'une tension ou le simple fait de respirer. Si notre mobilité est entravée, ne serait-ce que localement, tout le corps se trouve déséquilibré. Et les mauvaises postures qui en résultent peuvent occasionner des douleurs. Une fois par semaine, Myriam Keitel retrouve ses camarades de formation pour une séance de travail collective. Aujourd'hui, dernier jour de révision avant l'examen final. Je te sers trop ? Non, c'est bien. Laisse peut-être les pouces un peu plus longtemps. Pour établir son diagnostic, l'ostéopathe recherche le lien de cause à effet entre l'origine du problème et sa manifestation. À quoi peuvent être dues des douleurs dans l'épaule gauche ? Alors, l'épaule gauche, ça me fait penser à l'estomac, qui est en contact avec le diaphragme, ce qui peut indirectement avoir une incidence sur l'épaule. On peut aussi examiner le bassin, qui est relié au genou par l'intermédiaire des muscles, lequel est lui-même rattaché au pied. L'ostéopathe considère le corps comme une unité indivisible. Tel un détective, il étudie tous les indices à sa disposition pour rechercher la cause des symptômes et les obstacles à la guérison. Je crois qu'on est très bien préparés. On s'est beaucoup vu pour débattre et s'interroger ensemble. Les nouvelles idées fusent, et c'est comme ça qu'on avance, tout en approfondissant nos connaissances. Cette prise en compte globale de l'organisme est très prisée des sportifs, notamment des professionnels, qui doivent en permanence donner le meilleur d'eux-mêmes. Julius Brink enseigne le beach volley à des jeunes. En 2012, il a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres, en binôme avec Jonas Reckermann. Dans ce sport, les deux joueurs forment une équipe et doivent pouvoir compter l'un sur l'autre. Quand on fait partie d'une équipe, il faut pouvoir assurer jusqu'à la fin de la saison. Une fois qu'on a intégré ça, on essaie de faire en sorte d'être toujours au meilleur de ses capacités et de tenir la distance physiquement. L'ancien sportif de compétition a testé toutes les méthodes naturelles permettant de se maintenir en forme. C'est ainsi qu'il a découvert l'ostéopathie il y a une vingtaine d'années.
Je me suis rendu compte que toute la panoplie des soins en kinésithérapie, c'est-à-dire surtout les cataplasmes et les massages, ne m'apportait pas grand-chose. Ce qui m'a frappé en revanche, c'est que mon ostéopathe a commencé par étudier toutes les radios que j'avais faites dans ma vie, par exemple à l'occasion d'une fracture du bras quand j'étais petit. Ça m'a paru être un bon point. Un kinésithérapeute classique n'en aurait peut-être pas tenu compte. À force de trop solliciter ses muscles et ses articulations, Julius Brink a dû subir une opération de la hanche et mettre un terme à sa carrière professionnelle. Mais le sportif reste fidèle à l'ostéopathie, notamment pour soigner ses douleurs au genou. Penche-toi, les mains vers les pieds. David Wenkel, ostéopathe et kinésithérapeute, a suivi durant quelque temps l'équipe olympique allemande de beach volley. Il connaît donc bien son patient, mais commence chaque séance par une phase d'observation générale. Y a-t-il des déséquilibres, des zones où le mouvement est restreint, des blocages dans la colonne vertébrale? Ces informations essentielles permettent au praticien de se faire une image globale du corps et d'affiner son diagnostic. Une douleur dans le genou peut en effet avoir de multiples causes. Suspect numéro 1, les fléchisseurs de la hanche. Des muscles puissants et abondamment innervés qui assurent la jonction entre la colonne vertébrale, le bassin et le fémur. S'ils sont contractés ou enflammés, le système nerveux peut transmettre des douleurs intenses jusqu'au genou. La piste de la zone lombaire doit également être étudiée. Un blocage ou une hernie discale peut affaiblir les muscles et occasionner indirectement des problèmes de genoux. Enfin, les os du tarse ne sont pas à négliger. Si cette partie du pied manque de mobilité, les conséquences peuvent se propager jusqu'au genou par l'intermédiaire des ligaments tibio-fibulaires. Pied fléchi. Une fois que l'ostéopathe s'est constitué une idée précise de l'état des fonctions du corps, il peut intervenir sur ces structures et initier des changements. Si tout se passe bien, l'organisme va ensuite réintégrer les séquences de mouvements correctes et restaurer son propre équilibre grâce à ses capacités d'auto-guérison. Quand on se coupe, qu'on se casse un os ou qu'on tombe malade, notre corps enclenche tout de suite des mécanismes de guérison. Il a appris à prendre soin de lui-même naturellement au fil de millions d'années d'évolution. Mais il faut accompagner ce processus. Le praticien ne guérit pas le corps. Il apporte son regard et définit certains paramètres. Il donne un coup de pouce, mais c'est le corps qui fait tout le travail. Le berceau de l'ostéopathie se trouve aux États-Unis, plus précisément à Kirksville, petite ville du Missouri. À la fin du 19e siècle, une méthode de traitement voit ici le jour qui bouleverse les conceptions de la médecine de l'époque. Aujourd'hui, Jason Axton est à la tête du musée de médecine ostéopathique, la plus vaste collection au monde consacrée à cette pratique et à son inventeur, Andrew Taylor Steele. Vers l'âge de 10 ans, Andrew Taylor Steele a été pris de maux de tête violents et persistants. Il a tendu une corde entre deux arbres et a posé sa nuque dessus. Cet étirement a suffi à modifier sa circulation sanguine et à soulager la douleur. Il a dit par la suite avoir découvert la première technique ostéopathique alors qu'il n'était qu'un enfant. Andrew Taylor Steele est un médecin de campagne. Passionné par l'organisme humain, il étudie les os et les articulations, dissèque des muscles, des nerfs et des organes. Mais à 36 ans, il est frappé par une tragédie. En l'espace d'un mois, il perd trois de ses enfants d'une méningite. Steele est au désespoir et commence à douter de cette médecine en laquelle il a eu toute confiance pendant de longues années. Il affirme que la médecine, avec ses saignées, ses cautères et ses poisons à petite dose, n'est pas efficace et peut mettre en danger le patient jusqu'à lui coûter la vie. Il prône le retour à des traitements naturels et conseille de se concentrer sur le régime alimentaire, l'exercice, l'hygiène mentale et de remettre d'aplomb ce qui est mal aligné. Le médecin innove et teste des méthodes non conventionnelles. Dans son cabinet situé dans cet immeuble de Kirksville,
Il exerce son art en se servant exclusivement de ses mains. Il avait le sentiment d'enrichir cette médecine qu'il aimait, dans laquelle il croyait malgré tout, et qu'il voulait rendre plus efficace. Il n'avait pas l'impression d'enfreindre ses principes. Pourtant, son approche était tellement différente qu'il a été moqué et ostracisé. À près de 60 ans, Andrew Taylor Steele reste pourtant fidèle à son idée. Il met au point une méthode de traitement manuel qu'il baptise ostéopathie, du grec ostéon, l'os, et pathos, la souffrance. En 1892, il ouvre à Kirksville la première école d'ostéopathie. Il encourage la formation des femmes. Cette nouvelle médecine, qui ne passe que par les mains, fait très vite parler d'elle. Le nombre d'ostéopathes explose à Kirksville. Cet immeuble abrite à l'époque autant de praticiens qu'il compte de fenêtres. Un nouvel hôtel est construit afin d'héberger les patients venus de l'extérieur. Aujourd'hui encore, la petite ville bénéficie de la notoriété d'Andrew Taylor Steele. Non loin du monument à sa mémoire se dresse l'université privée qui porte son nom, ainsi que l'école de médecine ostéopathique de Kirksville. Aux États-Unis, la discipline est mieux reconnue qu'en Europe. Dans ce grand amphi, une centaine d'étudiants en ostéopathie suivent un cours sur les fonctions de l'épaule. Leur formation spécialisée dure 4 ans et débouche sur un diplôme de même valeur que les études de médecine conventionnelle. Okay. 33 établissements privés proposent aujourd'hui un tel cursus aux États-Unis. Une année à Kirksville revient à 60 000 $ environ, des frais de scolarité équivalents à ceux des écoles de médecine privées aux États-Unis. Karen Snyder observe un intérêt croissant pour l'ostéopathie. Notre culture est de plus en plus holistique. L'humain est appréhendé comme un tout. Il s'agit de voir s'il est en bonne santé d'un point de vue spirituel, émotionnel et physique. Quand je reçois nos futurs étudiants en entretien, c'est ce qu'ils me disent, qu'ils s'intéressent à cette démarche globale. Quelques 100 000 ostéopathes exercent actuellement aux États-Unis et 30 000 nouveaux sont en formation. Bientôt, près d'un médecin sur cinq dans le pays sera un ostéopathe. La partie médicale de la formation est la même. La grande différence réside dans l'apprentissage des thérapeutiques manuelles. De toute façon, beaucoup d'écoles de médecine enseignent de nos jours une approche holistique du patient. Cette démarche était déjà celle d'Andrew Taylor Steele. Sa conception initiale, baptisée ostéopathie pariétale, s'intéresse aux os, aux muscles, aux tendons, aux ligaments et aux fascias, ces tissus conjonctifs qui mettent en liaison toutes les régions du corps. Elle se rapproche aujourd'hui de la kinésithérapie et de la chiropraxie. En 1930, un élève de Steele étoffe l'approche ostéopathique en développant la thérapie crânio-sacrée, qui s'intéresse aux tensions qui affectent l'axe constitué par les os du crâne et le sacrum au niveau du bassin. Les pressions subtiles exercées par le praticien agissent sur le système nerveux central et rendent sa mobilité à la colonne vertébrale. Au début des années 1980, une troisième technique fait son apparition, l'ostéopathie viscérale, qui repose sur la palpation des organes de la sphère digestive. Le Français Jean-Pierre Barral a largement contribué à développer les manipulations viscérales. Il réalise ses premières observations dans les années 1960, alors qu'il est kinésithérapeute en hôpital. J'ai soigné un patient pour une histoire de douleur dorsale. Il est revenu me voir 15 jours après et je lui dis « Comment vous allez-vous ? » Il me dit « Très bien. » Mais il me dit « C'est pas grâce à vous. » J'ai vu quelqu'un dans la montagne, un guérisseur, il m'a fait quelque chose sur l'abdomen et depuis j'ai plus mal au dos.
Et pour moi, ça a été quelque chose qui m'a marqué énormément. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il a pu faire ? Jean-Pierre Barral sait aujourd'hui que ce guérisseur avait stimulé les organes internes de son patient, qui sont reliés au dos par l'intermédiaire des fascias. Lorsque sa mobilité est restreinte, la zone abdominale et thoracique peut provoquer des douleurs dans d'autres parties du corps. Intrigué par cet épisode, le Français entame des recherches de longue haleine et va mettre au point le concept de manipulation viscérale. Un pas de plus vers une prise en compte vraiment globale du corps. Chaque organe donc a une fonction particulière qu'on peut aider dans la mesure où un organe, s'il a ce qu'on appelle une fixation, il bouge mal. On va prendre un exemple, vous avez un poumon avec une bronche qui est très tendue, qui est spasmée, qui est serrée. Et bien, nous, avec les mains, on va relâcher le spasme de la bronche, on va faire bouger un petit peu les côtes, on va faire bouger le poumon pour essayer de rendre un poumon beaucoup plus fonctionnel, d'avoir un meilleur niveau d'oxygène et moins de gaz carbonique. Jean-Pierre Barral vit en Camargue, mais passe le plus clair de son temps aux quatre coins du monde pour donner des formations et des conférences sur sa méthode. Il est très demandé et ses patients doivent attendre parfois un an pour obtenir un rendez-vous. Mais il est toujours disponible pour son ami Philippe. Celui-ci a périodiquement mal au dos, okay, au point de ne pas pouvoir lever le bras. Jean-Pierre Barral commence alors par appliquer le principe de l'écoute. Ouais, c'est là, tiens, on sent. Ce qu'on appelle l'écoute, finalement, c'est de dire à l'organisme, tu me racontes ta vie. On met sa main sur un corps et puis on sent des tensions. Ce n'est pas la personne qui nous dit ce qu'il y a, c'est l'organisme qui nous dit il y a quelque chose qui n'est pas normal à ce niveau-là. Et après, c'est d'interpréter ce qui n'est pas normal. C'est faire confiance à l'organisme qui a une mémoire fantastique et il n'oublie jamais rien. Il n'oublie jamais rien. Vous tombez sur le coccyx à l'âge de 5 ans, un jour vous aurez un problème. Et avec la main, il va falloir dire à l'organisme, raconte-moi ta vie, et il va falloir sentir le coccyx. Elle est tendue, en tout cas. Voilà, on va voir. Mets-toi sur le dos. Tu vas me donner les deux mains. Voilà, c'est mieux, mais c'est pas encore bon. Tu vois ? Tu vas plier cette jambe, ici. Le patient souffre d'un kyste qui limite la mobilité de son rein. Cet organe est relié au dos par des tissus en tension qui provoquent des douleurs. Les techniques de l'ostéopathie viscérale vont permettre d'assouplir cette région du corps. On va encore essayer de relâcher un petit peu ici. Je suis un peu poil plus profond. Voilà, ok. Les médecins ont conseillé à Philippe d'opter pour une ablation du rein. Mais il préfère repousser l'opération autant que possible. Chaque séance d'ostéopathie est l'assurance d'environ 4 mois sans douleur. Ok, amène la tête vers moi, voilà, comme ça. Et tu ne bouges pas les pieds, et tu inspires, et tu souffles. Et tu serres les genoux. Voilà. Si on a un diabète, hein, il vaut mieux prendre de l'insuline. Il ne faut pas voir un ostéopathe, il faut d'abord prendre de l'insuline. Et ça vous sauve la vie. Si vous avez une température de 42 degrés avec une infection, il faut prendre l'antibiotique. Il ne faut pas voir un ostéopathe. Par contre, lorsqu'il y a des choses fonctionnelles, des douleurs du genou, de la colonne, la médecine a toujours la même réponse, c'est anti-inflammatoire, antalgique, donc nous on a d'autres réponses. Jean-Marie Briand a lui aussi d'autres réponses. Il dispense son savoir dans une école parisienne d'ostéopathie. Une fois par mois, parents et nourrissons peuvent venir ici en consultation pour la modique somme de 20 euros. Alors très souvent, on nous dit qu'on nous parle de magie. Mais l'ostéopathie utilise absolument exclusivement les lois physiologiques. Par exemple, la façon dont un muscle fonctionne, dont un os fonctionne, dont des ligaments fonctionnent, c'est la clé de ce que l'on fait en ostéopathie.
Jean-Marie Briand a largement défriché le domaine de l'ostéopathie néonatale. En France comme en Allemagne, les formations au traitement des tout-petits manquent encore de critères de qualité officiels. J'ai pris un petit peu ce que me montraient les autres spécialités qui travaillaient sur les bébés. Les pédiatres, les sages-femmes, les puéricultrices. Et j'ai picoré, comme une poule, j'ai picoré un petit peu les connaissances de chacun. Et j'ai fait ma synthèse. C'est le 9 mars. 9 mars. Cette maman est inquiète. D'accord. Son bébé de 3 mois a l'arrière de la tête plate. Hop! Comment s'est passée votre grossesse? C'était assez lourd, vous voyez, parce que je suis pas très très grosse et Noah était déjà assez... C'est votre première grossesse? Et c'est la première grossesse, donc voilà. La tête plate, c'est pas un problème en soi, c'est juste le signe qu'un enfant est dans une sorte d'impasse sur le plan de sa progression. Donc il faut l'aider à sortir de cette impasse-là. Scrutant le moindre mouvement du nourrisson, l'ostéopathe examine aussi son corps. Une rougeur dans le pli du cou attire son attention. Non, justement, aucune. Enfin, j'ai eu des pendant la grossesse. Mais... Non, c'est le signe qu'il était un petit peu en pression et qu'il a du mal à relâcher sa tête. Mm-hmm. Donc quand il est allongé, sa tête, elle pèse plus lourd, elle appuie plus fort, parce qu'il a la tête un peu dans les épaules et qu'il sait pas qu'il a du mal à complètement détendre son cou. Hop. Allez, mon bébé. Voilà. Jean-Marie Briand commence par détendre les muscles du cou, puis passe aux autres parties du corps qui lui sont liées. Ainsi, le bébé devrait pouvoir recouvrer sa mobilité et son crâne retrouvera sa forme naturellement. Oui, à l'issue de cette brève manipulation, le nourrisson relève déjà mieux la tête. Il y avait le bras qui gênait. Voilà. Sa mère pourra l'encourager dans cette voie avec un petit exercice à répéter à la maison. Et une fois qu'il saura le faire, il faudra le mettre suffisamment loin pour qu'il cherche à aller chercher l'objet, vous voyez. Allez hop, oh oui, t'en as marre là. Hop. Allez, va voir maman. Voilà, super. David Wenkel apporte lui aussi des réponses alternatives à la médecine conventionnelle. Il soupçonne que les douleurs ressenties par Julius Brink sont le contre-coup de son opération de la hanche, car cette dernière est reliée au genou par des muscles, des ligaments et des tendons. Si Julius a des douleurs à l'extérieur de l'articulation du genou, c'est principalement parce que sa hanche n'est pas aussi mobile qu'elle le devrait. Le traitement vise à lui rendre sa mobilité normale du côté droit, pour que ses deux hanches soient au diapason de ce point de vue-là. Il ne s'agit pas seulement de restaurer la mobilité localement, mais aussi de tenir compte de tout ce qui peut la restreindre, que ce soit dans la zone lombaire ou la colonne thoracique. Quand je le manipule, je tiens compte de toutes les relations de cause à effet. Mais l'objectif ultime, c'est que la hanche puisse à nouveau bouger normalement. Les problèmes de genoux sont monnaie courante. Dès lors que le patient connaît l'origine de sa douleur, il peut agir pour la contrer et la soulager. Et peut-être s'épargner des injections, voire une opération. L'ancien sportif professionnel en a conscience. Son corps est en déséquilibre depuis son intervention à la hanche. Il pratique des exercices ciblés pour activer ses muscles stabilisateurs. Souvent, le mouvement suffit à dénouer les tensions dans le corps. L'activité physique peut même remplacer certaines thérapies manuelles. Mais Julius Brink reste un fervent adepte de l'association Sport-Ostéopathie, même quand les douleurs s'estompent.
Je sais que cette approche globale permet en quelque sorte de tuer dans l'œuf, d'éviter les problèmes qui pourraient apparaître quand j'augmente le niveau de sollicitation de mon organisme à l'entraînement. Cette démarche holistique a tout son sens pour moi. Malgré ces résultats indéniables, l'ostéopathie reste décriée. Christian Weihmayer évalue les bénéfices et les risques des prestations de santé non prises en charge par l'assurance sociale. Son équipe a analysé une série d'études sur le traitement ostéopathique du mal de dos pour la Fédération allemande des caisses de maladie. Après évaluation de 10 études, nous avons constaté qu'une seule d'entre elles parvenait à des conclusions à peu près fiables concernant l'ostéopathie. Une seule étude permettait de reconnaître l'avantage d'un traitement ostéopathique par rapport à une absence de traitement. Une étude exclusivement consacrée aux douleurs d'origine vertébrale. Les effets de l'ostéopathie relèvent du bien-être et non de la médecine. Si l'ostéopathie était proposée sous cette étiquette, au même titre que les massages, un échange amical, le coiffeur ou la piscine, personne n'y trouverait à redire. La kinésithérapeute Myriam Keitel a suivi une formation longue et onéreuse afin de traiter encore mieux ses patients grâce à l'ostéopathie. L'échéance tant attendue est enfin arrivée. Ça va mieux ? Un peu, oui. Tout va bien se passer. Vous pouvez vous asseoir. Je vous présente Madame Bark. Bonjour, madame. Qu'est-ce qui vous amène ? J'ai des douleurs dans la nuque et les épaules. Quand je reste longtemps debout, ça descend jusque dans le bas du dos. Longtemps, c'est-à-dire ? Au bout d'une heure. Myriam Keitel découvre cette patiente. En une heure, elle doit établir un diagnostic et présenter au jury un projet de traitement. Inspirez profondément, expirez, fermez les yeux et détendez-vous. Ouvrez les yeux. Asseyez-vous sur la table. Myriam Keitel commence par vérifier la mobilité des muscles du cou. Ça va ? Oui. Pour les kinésithérapeutes, cet institut recommande 1350 heures de formation continue. Le chiffre est indicatif car il n'existe pas de normes officielles pour la formation des ostéopathes en Allemagne. La profession n'est même pas reconnue dans la nomenclature nationale. Myriam Keitel constate qu'au niveau du bassin, la patiente présente de fortes tensions qui se répercutent sur le diaphragme. La circulation sanguine n'est pas optimale. Ça peut aussi occasionner des maux de tête, car il y a beaucoup de fluides qui ne peuvent pas bien s'écouler. Vous comprenez ? Le jury doit encore évaluer le traitement proposé par la candidate. Examen réussi. Myriam Keitel est désormais kinésithérapeute et ostéopathe. Mais une qualification supplémentaire est encore à venir, car en Allemagne, l'exercice de l'ostéopathie est réservé aux médecins et aux praticiens de santé. De quoi déconcerter les patients ? D'autant que certaines caisses d'assurance maladie remboursent partiellement l'ostéopathie sans se soucier des qualifications de ceux qui l'exercent. Pourquoi font-elles ça ? Je ne pense pas qu'elles soient convaincues de l'efficacité de l'ostéopathie, qui n'est pas prouvée par les études. Elles le font simplement pour satisfaire leurs assurés et gagner de nouveaux clients. Définir des normes de qualité. C'est l'une des ambitions de l'école supérieure Fresenius à Eichstein, près de Francfort. Depuis 2016, on peut préparer ici une licence ou un master en ostéopathie qui devra être complétée par un diplôme de praticien de santé.
Ailleurs en Europe, le cursus est généralement plus simple. Marina Fuhrmann, la seule femme professeure d'université en ostéopathie d'Allemagne, déplore le flou qui subsiste dans son pays. Il faut clarifier les critères d'exercice de la profession, car actuellement, le patient ne sait pas à qui il a affaire. Il n'a pas moyen de savoir s'il est face à quelqu'un qui n'a aucune formation en ostéopathie ou au contraire à un praticien pleinement qualifié. Marina Fuhrmann s'est elle-même formée à Kirksville. Dans les années 1990, elle a activement contribué à la diffusion de l'ostéopathie outre-Rhin. Elle est également la fondatrice et la présidente de la plus grande association d'ostéopathes en Allemagne, qui compte aujourd'hui 4500 adhérents. Les étudiants exercent leur sens du toucher et s'entraînent à la palpation sur des modèles anatomiques recouverts de mousse. Plutôt par en bas, vers le point de référence. Et cela dépend aussi de la position de vos pouces. Les exercices de palpation sont essentiels dans la formation. Plus les étudiants travaillent le ressenti des mains, mieux ils seront à même de traiter leurs futurs patients avec précision. C'est un défi pour nous. Pour la protection des patients et dans leur intérêt, nous voulons ancrer l'ostéopathie comme une profession à part entière sur le marché de la santé. Mais les obstacles administratifs sont nombreux. Marina Fuhrmann cherche aussi à développer une méthodologie qui permettrait de mener des études prouvant l'efficacité de l'ostéopathie. Placez les mains sur les points de référence, sur le bassin. Très bien. Tous les étudiants doivent poser les mains exactement au même endroit. Si nous pouvions nous appuyer sur un essai clinique randomisé, ça nous donnerait une toute autre crédibilité. Ça permettrait de montrer que notre instrument de mesure à nous, nos mains, a sa propre validité. Nous pourrions prouver que nous ne trichons pas et qu'on peut vraiment se fier à la compétence palpatoire des ostéopathes. Aux États-Unis, la recherche a un temps d'avance. Sous la houlette du professeur Brian Degenhardt, l'équipe du laboratoire de l'université Andrew Teller Steele à Kirksville mène déjà des études qui prouvent l'efficacité des traitements ostéopathiques. Grâce à des mesures en trois dimensions, les chercheurs mettent en évidence l'effet des manipulations manuelles sur les fonctions du corps. C'est une première. Souvent, les ostéopathes recherchent des dysfonctionnements somatiques, c'est-à-dire des points où le corps n'est pas aussi mobile qu'il le devrait. Cette étude nous permet d'objectiver cette démarche et d'analyser comment le traitement influe sur la mobilité du corps. On visualise par exemple les déséquilibres dans la répartition du poids sur les pieds, qui sont fréquents, ou encore le mouvement des épaules et des hanches quand le patient marche. On peut ainsi quantifier les effets du traitement et comparer le résultat à la situation initiale. La médecine conventionnelle a cependant une grande critique à adresser à l'ostéopathie. Beaucoup d'études ne sont pas evidence-based, c'est-à-dire pas étayées par des preuves scientifiques. Dans les études pharmaceutiques, un groupe témoin se voit administrer un placebo, une substance dépourvue de principe actif. Mais en ostéopathie, à quoi pourrait ressembler un traitement factice? Malheureusement, nous avons hérité d'un modèle d'étude qui vient de l'industrie pharmaceutique, dans lequel on peut tester en aveugle l'effet d'une intervention sur le patient. Or, c'est impossible quand on interagit directement avec les personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'evidence-based medicine, ça, c'est un obstacle à la progression. C'est-à-dire que quand on se base que sur la preuve pour avancer, eh bien, on finit par être bloqué. C'est-à-dire qu'on ne fait que ce qui est prouvé et on n'avance jamais dans ce qui n'est pas prouvé. Donc l'ostéopathie n'est pas capable à l'heure actuelle, et je ne sais pas si elle le sera un jour, de suivre ça. Malgré cela,
L'engouement pour l'ostéopathie va croissant et bon nombre de patients font ce choix précisément parce que la médecine conventionnelle ne parvient pas à les soulager. C'est le cas de Yulia Rive, qui souffre de migraines depuis des années. Il y a toujours une phase préalable à la migraine. J'ai légèrement mal à la tête, je sens des raideurs et j'ai la nausée. Ça peut s'accentuer en fonction de la météo. Quand le temps change et qu'arrivent les beaux jours, l'été, je sombre vraiment dans la migraine. À ce moment-là, j'ai besoin d'aide et de soutien. Je suis complètement sonnée. La jeune femme a consulté de nombreux médecins, en vain. J'ai testé différents médicaments, mais je n'ai pas trouvé d'antidouleur vraiment efficace. Yulia Rive est une amie de Myriam Keitel. Notre ostéopathe fraîchement diplômée lui propose de l'examiner. Ça me fait mal à l'avant et à l'arrière du crâne, mais surtout à l'avant. Et parfois, je bascule dans une migraine beaucoup plus intense. Comme tous les symptômes, le mal de tête peut être le signe d'un déséquilibre présent ailleurs dans le corps. Employant la méthode viscérale, Myriam Keitel examine les organes internes par palpation. Elle soupçonne que l'origine des migraines se loge à cet endroit. Ton foie mérite qu'on s'y arrête. J'ai l'impression que le sang veineux ne peut pas remonter par là où il devrait et qu'il cherche à faire un détour. Ça ne veut pas dire que tu as un problème au foie, mais il y a beaucoup de tension à ce niveau. Les maux de tête sont souvent dus à une mauvaise irrigation du cerveau, un organe alimenté en oxygène par 4 vaisseaux sanguins principaux. En cas de tension trop intense dans les fascias et le réseau vasculaire, le sang se trouve ralenti, ce qui enclenche des douleurs. Cinq mois et 4 séances d'ostéopathie plus tard, Yulia Rive sent une amélioration. Les jours de grand soleil, elle n'éprouve plus le besoin de se retrancher dans le noir. Quand on souffre de migraines, on n'a qu'une envie, c'est qu'elles disparaissent et ne reviennent jamais. Pour l'instant, j'ai toujours des migraines, mais il y a clairement un mieux. Les maux de tête sont moins prononcés et j'ai aussi moins la nausée. Je peux m'en accommoder dans mon quotidien. J'ai envie de persévérer et de faire quelques séances de plus. À chaque fois, je sens que les choses se remettent en mouvement et se réajustent. J'ai bon espoir de pouvoir encore améliorer un peu ma situation. Rendre visible le travail des mains des ostéopathes a longtemps été une gageure. L'élastographie à ultrason permet désormais de visualiser en couleur les tissus conjonctifs situés sous la peau, les fascias. Si vous avez déjà fait une escalope panée, vous connaissez les fascias. C'est cette membrane blanche qu'on enlève parce qu'elle est trop filandreuse et trop dure pour être mâchée. L'organisme humain est parcouru d'un réseau de fascias. Pendant des siècles, la science a sous-estimé leur importance, alors qu'ils sont essentiels au bon fonctionnement des muscles. Ils relient et solidarisent toutes les structures du corps. Muscles, mais aussi organes, nerfs et vaisseaux sanguins. Lorsqu'ils sont durablement tendus, ils entravent les mouvements et l'irrigation sanguine du corps. Stefan Denenmoser a consacré sa thèse à ces tissus conjonctifs si particuliers. Il est convaincu qu'un traitement ostéopathique permet de détendre les fascias du dos. Lorsqu'ils apparaissent en bleu, c'est qu'ils sont tendus. Cette zone du corps est douloureuse pour beaucoup de patients.
On a l'impression que je ne fais rien là, mais c'est le principe fondateur de la fasciathérapie. On travaille très lentement. On sent les tissus qui fondent sous la pression des pouces. Le beurre serait peut-être une bonne comparaison. Quand on appuie dessus, il cède petit à petit. Les fascias, dotés de récepteurs nerveux, transmettent aussi les moindres mouvements du corps au cerveau. À eux seuls, ils forment un organe sensoriel. Après la séance, les zones auparavant en bleu apparaissent désormais en vert, preuve que les tensions ont diminué. La recherche sur les fascias nous a remotivés. On peut maintenant objectiver par des données chiffrées certains phénomènes qu'on sentait auparavant sous nos mains et pour lesquels on avait déjà élaboré des modèles explicatifs. D'un point de vue scientifique, il n'est plus possible de nier qu'il se produit quelque chose au niveau de ces tissus. Malgré ces avancées importantes, les détracteurs de l'ostéopathie restent sceptiques. Ce type de résultat ne suffit pas. Il faudrait savoir si, à l'issue du traitement, le patient souffre moins, retourne plus rapidement au travail et récupère une meilleure mobilité. Il faut centrer les études là-dessus et ne pas se limiter à quelques cas isolés, mais interroger beaucoup de patients. Bien sûr, nous aimerions mener des études sur des cohortes plus importantes, mais tout dépend du financement de nos recherches. En médecine, la plupart des études bénéficient de financements extérieurs. Toutes ne sont pas commanditées par le secteur pharmaceutique, mais dans la plupart des cas, il y a des moyens privés derrière. En ostéopathie, on n'est pas soutenu par les fabricants d'endoprothèses ou les laboratoires pharmaceutiques, puisqu'on n'utilise que nos mains. Jürgen Grassmuck parle d'expérience, car il a fait des études de médecine avant de se former à l'ostéopathie. À la tête d'un centre de convalescence à Bad Soden, non loin de Francfort, il traite notamment des patients qui viennent d'être opérés du genou ou de la hanche. Sa clinique de rééducation propose des séances de kinésithérapie classique, mais le docteur Grassmuck emploie aussi l'ostéopathie. En tant que médecin, on est toujours un peu focalisé sur la maladie et les douleurs locales. Pour dire les choses simplement, j'ai appris à regarder un peu plus loin que le bout de mon nez. La médecine manuelle peut aussi être un plus pour la cicatrisation. Je ne mets pas les pieds dans le plat en imposant l'ostéopathie. Je dis, on peut traiter le problème avec la médecine conventionnelle, prendre en charge la douleur, faire de la kiné et peut-être opérer. Mais il y a une autre possibilité. Pour Jürgen Grassmuck, cette complémentarité entre médecine conventionnelle et ostéopathie est une richesse. Je ne suis plus un médecin qui soigne exclusivement par la médecine. Je garde une vue d'ensemble et je traite par l'ostéopathie. Selon moi, les deux approches se complètent à merveille. Ce qui est un peu difficile, c'est de trouver des patients ouverts à cette démarche thérapeutique, car c'est un préalable indispensable. Les patients doivent adhérer à cette forme de traitement et être prêts à écouter les signaux que leur envoie leur corps. Il y a quelques semaines, Marla, 11 ans, a ressenti des douleurs dans la nuque. Sa mère a noté qu'elle tenait sa tête curieusement. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à avoir mal. Je fais souvent des mouvements comme ça. Je hausse un peu les épaules et je fais ça. J'ai l'impression que quelque chose se relâche, que je bouge mieux la tête. Mais au bout de quelques secondes, la sensation revient. Du coup, c'est sans fin. Je remue tout le temps la nuque et ça craque même parfois. La mère de Marla a déjà fait confiance pour elle-même à l'ostéopathie. Plutôt que d'emmener sa fille chez le pédiatre, elle décide d'aller consulter le docteur Grassmuck. L'ostéopathe commence par vérifier la mobilité des cervicales et des épaules.
Cette partie du corps comporte d'importants vaisseaux sanguins qui irriguent différents organes et tissus, par exemple les poumons. Si j'appuie là, ça va ? Marla ne signale aucune douleur à cet endroit. Mais l'un de ses poumons semble plus faible que l'autre. Or, cet organe est relié à la colonne cervicale par des ligaments. C'est peut-être la cause des douleurs dans la nuque. Jürgen Grassmuck soupçonne en outre un lien avec un événement bien plus ancien. Juste après sa naissance, Marla a séjourné en unité de soins intensifs en raison de problèmes pulmonaires. C'est le rôle de l'ostéopathe de repérer ce genre de choses et d'aider le corps à remédier lui-même au dysfonctionnement. Trois mois plus tard, la jeune fille a retrouvé un port de tête normal et ses douleurs se sont envolées. L'ostéopathie l'a aidée. Mais le problème se serait peut-être résolu de lui-même avec le temps. Ou plus rapidement, grâce à une injection. C'est toujours plus facile de faire autrement que comme on fait en ostéopathie. C'est toujours plus simple. Il y a toujours une solution plus rapide qui marche plus vite que ce que l'on fait. Donc il faut accepter, quand on est ostéopathe, que la nature aille à son rythme. Traiter la cause du mal plutôt que de soigner les symptômes, telle est la force de l'ostéopathie. Mais pour la sécurité des patients, il est important que la discipline gagne en transparence et se dote de normes de qualité homogènes en matière de formation. Une impulsion politique dans ce domaine semble indispensable. Faute de soutien financier pour la recherche, l'ostéopathie restera en outre la cible de critiques du monde médical. Pourtant, tous les professionnels de santé poursuivent un même objectif. Le patient dit « il va mieux », la médecine dit « non, c'est pas evidence-based ». Et si, mais si, puisqu'il va mieux. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ces cas-là? Finalement, j'ai presque arrêté de faire de la recherche, parce que finalement, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir des patients qui aillent mieux, qui viennent me voir et qui disent « je vais mieux ». L'ostéopathie ne peut pas tout. Mais au fond, la médecine conventionnelle ne soigne pas toutes les maladies non plus. La complémentarité des deux approches ne peut que bénéficier aux patients.